Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode, 16e, 17e épisode, je sais plus, j'en perds le compte. Donc on s'était quitté sur la rencontre avec Deimos, je suis allé tuer une adepte qui était sur l'île d'Andros et je devais parler à Hérodote. Alors, la légende était vraie? Était-ce magnifique? Que t'est-il arrivé? Et ta lance? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte, je peux le sentir. Tu avais raison, il y avait un artefact là-bas. Il m'a présenté une vision de moi et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Alexios, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens, enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action. Elle me l'a dit. Elle va s'en prendre à nous, à ma famille, à Périclès. Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à la Pyx. Nous serons certains de trouver Périclès. Plus 8% de feu, ça commence à être intéressant. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire graver mes armes. Et niveau 17. 4%. Ouais. Non. C'est pas significatif l'écart entre les deux. Ok, aptitude. Ouais, où est-ce que j'augmente ma régène? Ça, c'est pas mal. Ça pourrait être bien aussi. Mais ça me ferait... Oh, si à la place du perce bouclier, ça peut être bien. Est-ce que ça fait perdre des boucliers, par contre? C'est ça la question. Alors, soit j'améliore... Attaque très puissante, variant selon le type d'arme, nécessite 3 segments d'adrénaline entier. Dégâts, effet, efficacité accrue. Ou sinon, ça, j'en enlève un et j'en mets un deuxième là. Quoique les assassinats, j'en fais de moins en moins. Ah si, j'en fais quand même pas mal des assassinats. 20 secondes. Allez, on va booster ça. Ouais, il faut que je sois niveau 20 pour ça. Hop. Améliorer la lance, j'ai pas assez de trucs. Ouais, ça pourrait se faire. La biche en Sirenaï, ouais, on va se faire la quête principale un peu là. Ah, sinon je vais me faire lui. C'est 17-19. Je suis assez tenté d'aller tuer le centaure de B. Je vais me faire le centaure de B, ça peut être pas mal. Ah bah oui, hein, je tue de l'adepte, c'est comme ça. C'est l'adepte du cosmos, hein. Le culte, ils sont pas gentils, ils sont méchants, blablabla. Non, c'est juste que j'ai envie de les tuer, de les aiguiller. Parce que ça me permet d'avoir les fragments. Du coup, là, j'ai un fragment. Vu que j'en ai tué un épisode juste en fin d'épisode précédent. Si je tue celui-ci, ça me fera deux fragments. Et il me faut combien de fragments? Je sais pas combien de fragments il me faut pour refaire une lance. Mais il en faut plusieurs, ça c'est sûr.
Je l'ai pas pointé. À tous les coups, il va être entouré dans un fort ou je sais pas trop quoi. Ah, mercredi. Ouais, bah on a beau avoir un super cheval, il n'a pas encore appris à escalader les montagnes. Ouais, là je sais pas s'il va y arriver. Voilà, là ce sera bon. Allez. Ah bah là il y a quelque chose. On va aller se faire le point de synchro. On peut grimper par là, cheval. Oui, je vais sûrement manquer quelque chose en prenant pas la route, mais bon. Je pense que je gagne quand même pas mal de temps en faisant de la varap. Il y a Icarus qui est au-dessus de notre tête. Ah oui, bah ça montait. C'est pas dit que je gagne tant de temps que ça parce que ça passait là. Vous voyez la route qui passe juste derrière. J'étais persuadé qu'il y avait un truc à récolter, tiens. Hop. Pic d'Irfi. Ah, ça doit être la branche, là. Et je vous rappelle que j'ai des missions où je dois faire toutes les grottes. Enfin, des missions. J'ai une mission où je dois faire les grottes. Hop. Saute pas, malheureux. Voilà, ça permet de déverrouiller la région. Arrête de te courir, mon Dieu. Mon Dieu, que je te tue. Bon, bah c'est pas grave. Je vais gaspiller 3 flèches pour rien. Un petit peu de cuir. Je sais, je pourrais prendre le cheval. Voilà. Il était brun, d'habitude, je tue toujours des gris. Il est pas spécial. Viande crue et cuir souple. Hop, du bois. Oh, on s'approche, on s'approche. Non, en plus je trouve que les déplacements à pied sont assez agréables à l'œil. Quand on tombe pas. Où c'est qu'il s'est planqué? Il est dans une grotte? Oh, je sens que ça va être chiant.
Un hôtel côtier, il y a des trucs à piquer ou pas? La garde sera vigilante ici. Hop, on va voir Icaros. Ah, il y a un truc en dessous. Il y a les tablettes qui sont là. La garde sera vigilante, il n'y a qu'un seul garde. Et c'est un brigand. Allez. Allez, prends tout. Un peu de ressources, les drachmes. Oui, bon, c'était pas ce qui est le plus compliqué à passer. Il est où le coco? Ouais, bah il doit y avoir une grotte, hein, j'ai l'impression. Mais c'est censé être quoi ça? Un bastion. Ok. Ça, j'ai peut-être pas besoin. Je vais changer, je vais remettre les dagues à la place. Dag. Et 6% d'adrénaline par coup. Ça va me redonner plus d'adrénaline rapidement pour recharger les différentes attaques. Oui, c'est un camp de bandits. Je vais m'éloigner, je vais sauvegarder. Voilà. Je sauvegarde. Comme ça, je peux tenter des trucs. J'aimerais bien me la tenter, Fufu. Alors, est-ce que j'arrive à passer sur la corde sans me faire détecter? Il y a des prisonniers. Voilà, attaque surpuissante. Esquive. Ok. Il fait du caca. On est d'accord. Moralité.
Les dots de feu, c'est bien, mais ça fait pas tout. Faut quand même garder sa tête, Joe, et pas foncer dans le tas comme un abruti. Mais surtout, je voulais pas tomber. J'aurais des ennuis si on me voit ici. Recule et tout se passera bien. Maudit chien. Allez, attaque la surprise, enchaîne la surprise. Hein. Allez. Le passeur vient te chercher. Non, ça sera mieux passé, pas forcément bien passé, mais mieux passé. Non mais toi je te veux pas. Ouais, qui est l'homme ici à cet homme? Tu m'as sauvé la vie. Merci, merci. Tu m'as offert la liberté. Oui, je t'offre la liberté, oui, oui. Tâche de la garder parce que... Hein, je n'aimerais pas tous les jours vous sauver. Là, il y a de quoi looter ou pas? Bon, pour toi, c'est trop tard. Mais c'est des corps? Ah, il brûle les corps. Bon, bah, il méritait 100 fois la mort que j'aurais donnée. Ah ouais, j'ai pas ladré comme par hasard. Allez. Ah.
Tac. Non, mais j'ai fait esquiver. J'ai fait esquiver, grand. Par contre, les... Allez. C'est le moment de balancer tout ce qu'on a. Le problème, c'est quand ils sont en feu, on se rend plus compte de quand ils balancent les attaques ou pas. Qui t'appelle à l'aide? Il n'y a plus personne pour t'aider. Je vais te battre comme nous avons battu des... Comme vous avez battu qui? Soi-disant que vous avez battu Deimos. Allez. Ça fait une bonne chose de fait. Je dois dire que ça va. Bon, on va fouiller. Il y a peut-être des indices sur celui d'après. Ah bah j'ai vu que ça brillait, hein. Je vais faire l'escalade après. Bon, ils sont pas forcément durs à trouver, hein, vous avez vu. Ok. Allez, on va choper ça. Allez, on va aller voir là-bas. Ouais, c'est des corps calcinés. Y a rien. Mais juste ça. Je suis surpris. Bon, du coup, on va aller voir ce que j'ai looté. Normalement, j'ai dû choper des dagues. Ah bah voilà. Enfin, des dagues. Une dague. Et celle-ci, 354, plus puissante sur les Athéniens. Mouais. Non. Qu'est-ce que j'ai looté? J'ai gagné un dégât de chasseur. Bah c'est ça qu'il m'aurait fallu, hein, quand j'ai chassé le sanglier. Plus 10% de dégâts sur les animaux. J'ai pas looté un truc mieux que ça. Ah bah voilà, ceinture d'Agamemnon. Elle a l'air d'être bien pour les incendiaires, la ceinture d'Agamemnon. Je pense que je vais partir sur un but d'Agamemnon. Non, ça j'ai pas. Donc ça va pour les incendiaires en élémentaire. Ok. Allez. On va sortir d'ici. J'ai cru voir un point par là. Non. Ah, là, il y en a un. Allez. De l'obsidienne et du fer. Et c'est pas mal. Allez, on va sortir d'ici.
Ok. Bon. J'ai fait ce que je voulais faire. Peine paysanne. Naufrage. J'ai pris le point. Oh, c'est déjà pas trop mal. C'est pas trop mal. Megaris, ouais. Il y a ici aussi où j'aurais pu faire la bataille pour Sparte. Ça, je l'ai pas pris en passant. Oui, ça c'est dommage parce que si je veux revenir ici, le point le plus proche est là. Là, bon, ça va, il y a un point. Je peux l'améliorer, la lance ? J'ai combien de fragments? Non, inventaire. 4. Ah bah oui, je dois pouvoir l'améliorer. Ah oui, c'est vrai que j'ai les perses. Ouais, mais non, c'est bien comme c'est. C'est bien comme ça, j'ai de l'Athénien quand même. Bon, c'est pas trop mal. Du coup, ce que je vais faire... Mon navire est où? Mon navire est là. Hop. Je vais aller améliorer ma lance. J'ai pas de point d'aptitude à y mettre, hein, mais... au moins comme ça, ce sera fait. Allez. Voilà. Allez. Il n'y a pas moyen d'aller plus vite qu'au petit trot, comme ça, là. On va changer la quête. Ça va me donner... Une lance améliorée et de l'XP. Ça se trouve, ça va me faire passer niveau 18. Je sais pas du tout où j'en suis dans ma progression. Là. Bon, ce qu'on sait, c'est que la lame de Deimos a été... Deimos... Ouais. Allez, on va améliorer la lance de Néonidas. Elle commence à prendre de la gueule. Et ça vous dirait pas, quitte à la reforger, me la reforger en entier là. 6750 XP. Non, je suis loin du compte. Ok. Ah, faut 7 fragments maintenant. Ah, ça va commencer à être compliqué, là. Collecter les fragments d'artefacts, ouais. Attendez, au niveau des membres du culte. Là, faut que j'aille en attique pour le savoir. Toi, c'est quoi que tu donnes ? Votre novice. Rien, je regarde, ouais. Bon, on en a un peu partout, enfin bon. C'est ça qui me donne un gamin, si je dis pas de conneries. Bon, pour l'instant, c'est là que j'en ai éliminé le plus. Et c'est là que ce sera le plus facile. Il m'en reste deux. Le sage est une personne très riche. Le sage est qualifié de sagace. Le sage pratique le commerce maritime. Et il donne une nage. Ouh, ça va être compliqué hein, si je vois que c'est du niveau 50. Argent sur la ceinture du centaure. Était bien creusé d'argent, ses adeptes étaient loin d'être pauvres. Lettre à la chimère. Ouais, il y a des choses bizarres, je comprends pas tout. Ah ouais, c'est parce que j'ai eu ça. Ok. Allez.
On va pas se... Oui, on va aller en attique. Quoi qu'on ira peut-être en attique au prochain épisode. Hein. Déjà, on va se TP gentiment ici. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on aille quand même voir Athènes. On a 30 minutes. Par contre, quand on arrivera, ce sera la fin de l'épisode. Donc, si vous voulez pas vous taper la traversée, bah ma foi, libre à vous. Hop, larguez les amarres. Chacun à son poste. Athènes, attention. Hop, on va là-bas. Il n'y a pas de pirate en vue. Allez. On va rejoindre l'Attique. C'est la côte que je vois ou elle est plus loin? Non, non, c'est bon. Ah bah, il y a du Sparset et de l'Athénien, ils devaient être en train de se battre. Ce qui est marrant, c'est que là, il y a tout un bout de flotte spartiate. Là-bas, il y a juste un. Non, des pirates, des nuées de pirates. Et c'est tout. Restez la voie, vite. Ouais, ça y est, on est arrivé. Ouais, quand je pense qu'il faut que j'aille me faire à manger. Mais enfin. Et tu seras prêt. Retrouve-moi à la pluie que ça a fait. L'Apnix. Ah. Toi, t'es quel groupe? C'est lui? Et toi, tu donnes quoi comme loot? La ceinture d'Achille. Il avait pas dit que... d'ailleurs, j'y pense. Il avait pas censé, c'est pas censé être là, le sanctuaire d'Achille? La tombe d'Achille? Où il parlait d'une autre île? Je sais pas. Je sais plus. 17-19, ouais. Bon, de toute façon, faut qu'on aille par là. Ouais, là, il y en a un, mais on va pas se le faire. Comment on fait pour désélectionner? Voilà. Allez, en route pour Athènes. Attique. Oh, des lions. Enfin, des lions. Un lion. Tu sais quoi, j'ai juste pas envie d'affronter. Le dernier m'a mis mal. Ok, donc je suis à Athènes. Bon, vous, je sais pas. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire mon point de synchro. Et puis, ça a marqué la fin de l'épisode. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, il n'y avait pas grand-chose de palpitant d'annoncé. Elle a l'air pas mal, la mère d'Agamemnon. Ils auraient vraiment pu faire un truc pour la jupette. C'est vraiment court. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe.
Allez, on continue de grimper. Ouais, tiens, je suis passé à 40 FPS. L'espace d'un instant. C'est quoi ma Simon suivi que je peux avoir ici? C'est ici. Ah, je pensais que c'était là. Bah oui, il fallait que je saute sur la statue d'Athènes. Bon bah j'ai grimpé, j'ai escaladé le temple pour rien. Non non mais je visais pas ça. Je visais le drapage juste au-dessus. La célèbre Acropole. Un témoignage du talent et de l'intelligence de l'humanité. Hop, on va lui escalader derrière. Ok. Ne m'en veux pas, Athéna. Ok. Bon, notre la vue est superbe quand même, c'est vrai. Donc ça, ça va avec la quête du roi aveugle. Un papyrus. Il aurait été écrit par Thémistocle, le général athénien. Donc Thémistocle, c'est celui qui a vaincu les Perses à Marathon et Salamine, si je dis pas d'annerie. Toi, t'as quoi comme quête ? C'était sur le point de se battre. On va voir ce qu'il pour repose lui. Pierre, j'ai peut-être du travail pour toi. Si tu vas aussi bien qu'on t'attend. On t'a parlé de moi. Vu le nombre d'Athéniens que j'ai tués, oui. Je suis au fait de tout ce qui se passe dans cette ville, Mystios. Avec de telles flatteries, comment pourrais-je refuser quoi que ce soit? Je ne cherche pas à te flatter. Je cherche à t'engager. J'aimerais que quelques militaires spartiates disparaissent. Je crois que tu t'es fait une fausse idée de moi, Général Démosthène. Je ne suis pas un meurtrier, si c'est ce que tu espérais. J'espérais surtout avoir affaire à quelqu'un qu'on paie. J'avais tort? Non, pas complètement. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Comme il tourne sa veste. Les Spartiates sont sur le pied de guerre. Je veux que tu les retardes. Entre dans leur fort et tue ceux qui les commandent. Ça me paraît logique. Ravi que tu approuves. Tu devras m'apporter comme preuve les sceaux des chefs que tu auras tués. Et tu seras grâce mon pays. Ça ne ressemble pas aux méthodes athéniennes classiques. En effet, mais mon plan fonctionnera. Et c'est ce qui compte. Les méthodes classiques ont déjà coûté la vie à beaucoup trop d'Athéniens. Non, pas mal soumis d'âme. Les généraux s'y opposent, mais je ne les laisserai pas ruiner nos chances. Que voudrais-tu faire? D'honorables batailles rangées. L'opposition brutale et vulgaire de nos forces contre celles des Spartiates. Mais nous n'aurions aucune chance de gagner face à ces sauvages. Par conséquent, nous devons ruser. Oublie pas que je suis spartiate. Acceptes-tu de tuer les chefs de l'armée spartiate? Ouais, je la prends. J'accepte ce travail. Bien. Je n'ai pas l'autorisation de confier cette tâche à nos hommes, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. J'en ai suffisamment pour l'instant. De toute façon, je compte pas faire cette quête-là maintenant. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là-dessus. Hop. Sauvegarder. Hop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et si vous avez des petites remarques du genre « Joe tue plus d'Athéniens, Joe tue des Spartiates, Joe t'es un mystio, tu t'en fous, tue tout ce qui bouge et ne bouge plus. » Oh, ma foi, je suis prêt à l'entendre. Hein. Après, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Allez. Ciao, ciao les amis, à très bientôt.